Effectivement, il y a de plus en plus de prise de conscience sur l'intérêt de la préparation physique au fil des années, parce que voilà, notre travail à nous, le travail des Yamakasi, le travail des fondateurs, fait que bah, ça commence enfin à payer, il faut du renfo, où je vais vraiment me mettre en difficulté. Après, mon point fort, c'est avec tout ce qui est franchissement pur et dur, tout ce qui est passe-muraille, tout ce qui est franchissement au sol, tout ce qui est changement de direction aussi, j'aime bien. Les sprints, les courses rapides, les sauts de bras, les plonges, voilà. Tout ce qui est vraiment technique pure, brute. J'avais déjà des facilités à casser des sauts, à aller plus vite que les copains qui, eux, réfléchissaient. Moi, j'y allais d'un coup. Donc ça m'a donné le goût pour ça, en même temps, de d'être à l'aise et d'aller vite dans cette progression psychologique et mentale. Ça m'a donné le goût pour ça. Moi, j'aime bien les choses qui sont pas gigantesques, mais qui sont à des distances raisonnables. Grande mais quand même raisonnable, mais à des hauteurs très élevées. Si tu vas faire, ok, il n'y a pas d'essai, c'est, t'arrives, bah, tu le fais, tu te prépares et tu le fais. On Wednesday, Blacklist presents Charles Poujade, l'athlète de parcours. Voir compétition avec moi-même, toujours être meilleur, voilà, demain je serai meilleur que moi aujourd'hui.